Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un nouveau vlog pour le récap du mois de janvier. Alors, voilà mon bac. Quand je n'ai pas trop le temps de m'occuper des vitres. Et ouais, les gars, même un youtubeur qui se montre, qui s'expose, a des fois des carreaux qui est bien sale. Je ferai le nécessaire après, mais c'est pour vous montrer aussi la réalité de la chose. Qu'on n'est pas tout le temps avec le bac tout le temps magnifique. C'est faux, les algues viennent tout le temps, les vitres sont dégueulasses. Je ferai en accéléré après. On verra le résultat. Je vais vous relever un peu, c'est du direct life. Hop là, ha. Vous savez bien ma belle calvitie. Bon, bref de bavardage. Pour ce mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'occasion d'avoir un nouveau bénitier qui est en haut à droite, c'est une petite morphe. La même que d'habitude, je vous mettrai le nom qui apparaît en bas, des petites photos, je zoomerai tout à l'heure, une fois la vite fait comme il faut. Sinon, j'ai des pouces, mes coraux, mon bac s'est bien restabilisé. Je suis toujours avec mon même brassage, même éclairage, tout va bien. J'ai vu que j'avais une LED qui avait lâché sur ma barre LED qui vient de Wish. Ouais, comme quoi, ma barre LED, elle a plus d'un an. Elle a craqué que maintenant, pour une trentaine d'euros. Ça a largement fait le taf, j'ai des lettres de rechange, je m'en occupe. J'avais essayé de faire des vaches de phyto avec de la récupération. J'ai récupéré un éclairage de chantier, des panneaux box secours, vous savez, au-dessus des bâtiments publics, des batteries. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas du tout, j'ai perdu ma souche, pas assez d'éclairage, pas un petit test. Tant pis, je recommencerai avec l'éclairage qui était l'ancien éclairage qui était adéquat. Je vais récupérer les batteries aussi pour me faire des batteries de secours. Pour mes dépompes, je serai l'occasion de faire une vidéo sans prise de tête parce que c'est beaucoup de calculs électriques et je vais essayer de rendre ça au plus simple possible. Aussi une vidéo sur l'osmolation automatique, un petit tutoriel comment DIY, on va dire ça comme ça. Je voulais revenir aussi sur le mois de janvier, je suis actuellement à 8,78€. Nice. Grâce à vous, grâce au pub, visionnage de mes vidéos. 8,78€. Pour rappel, j'ai une caméra qui coûte à 700 balles, c'est un bas de gamme. J'ai un PC qui coûte 2000 balles afin de proposer du montage vidéo. Un micro qui coûte 70 balles. Là, il y a 3 spots d'éclairage qui vaut 110 balles. J'en suis loin des comptes. Je parle de ça parce que je vois beaucoup de commentaires, surtout ces temps-ci, qui font débat, qui font politique, sur l'argent. Un youtubeur, l'argent, nanana. Aujourd'hui, pour avoir des données qui sont publiques, 1 million de vues. 1 million de vues sur un mois, c'est à peu près 3 000 € brut. Sachant qu'il y a des personnes qui touchent ça, payent forcément des impôts comme tout le monde, tout ce qui s'ensuit. C'est obligé d'être déclaré, c'est suivi. Je invite tous ceux qui sont un peu curieux à faire des recherches, au lieu de mettre des commentaires bien sympas des fois ou de faire des posts polémiques. Ceci étant fait. Ensuite, pour répondre au débat, parce que je soutiens pratiquement en fait, tous ceux qui sont youtubeurs, que vous êtes dans le gaming, peu importe, n'importe quoi, c'est du boulot qui est juste monstre. Ça prend 10-15 heures de facilement par semaine pour proposer des vidéos, répondre à tout le monde et compagnie. J'ai une toute petite chaîne YouTube, je le rappelle. J'imagine pas les plus grands. Alors qu'ils arrivent à se faire un peu d'argent en proposant des services, que ce soit droite ou gauche, hein, je m'en fous, que ce soit de la vente de coraux, de vente de bouquins, même si je connais des youtubeurs qui ont fait polémique, pas dans le récif, qui vendaient des dédicaces. Hein, c'est salut Aristory, joyeux anniversaire. Ils vendaient ça. C'est un business. Si les gens achètent, tant mieux pour lui. Et d'un côté, il faut se diversifier pour essayer d'avoir des revenus, parce que ces personnes-là, généralement, ont des entreprises. On va me dire, oui, l'information devrait être gratuite. Mes vidéos sont gratuites, donc c'est bah, vous tous. Tous ceux qui avaient un abonnement internet qui est payant, ou un forfait téléphone qui est payant. Ouais. Ouais, rien n'est gratuit dans la vie, les gars. Ça, c'est un premier point. Oui, l'information que vous pouvez trouver gratuitement, mais vous paierez toujours indirectement, que ce soit avec des livres, vous achetez un livre. Même si quelqu'un vous l'offre, bah, la personne l'a acheté quand même. Mes vidéos, peu importe les posts, vous payez un forfait de téléphone ou un accès à internet. Alors, des prix peut-être moindres, mais voilà. Ça ne me choque pas. Personnellement, je suis pour, je suis contre, à la fois. Je suis contre pour ceux qui gueulent, parce que moi, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai pas les compétences. Je suis un simple passionné comme vous, qui je ne me considère pas comme un pro du récifal, ni comme quelqu'un de calé. Hein, j'en apprends tous les jours, il y a plein de noms de poissons coraux que je connais même pas du tout. Je n'ai jamais dit sur ma chaîne, j'étais un professionnel, j'ai toujours parlé de ce que je savais. Ce que j'ai appris, je voulais partager, je fais des recherches comme tout le monde, via des groupes, je croise des informations, bref, j'en apprends tous les jours. Je vous partage ma vision d'amateur. Je resterai toute ma vie un amateur, c'est mon point de vue. Ne mettez pas dans une catégorie professionnelle. Donc, je ne suis pas un pro de YouTube, je ne suis pas un pro du récifal. Mon bac, il est ce qu'il est, c'est avec mes moyens, mes goûts,
et ma capacité à rendre ce bac comme ça. Hein, c'est mon point de vue. Si je voudrais cours aux mouches, je mettrais des cours aux mouches. Je ne suis pas là influenceur à mettre les plus belles vidéos à vous proposer que ce soit. J'aimerais bien, hein. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps. Du coup, ne soyez pas choqués si peut-être je vous en parlerai plus forcément avant. Si un jour j'ai un sponsor, je le prendrai avec plaisir. Parce que si je suis loin de... Alors je partage mes vidéos avec vous, c'est mon choix, personne ne m'a forcé à faire ces vidéos-là. Mais comprenez que si je peux, je prends plaisir à faire ces vidéos, cette chaîne YouTube. Si je peux gagner un peu d'argent afin de proposer des voyages pour partir visiter d'autres choses, même en France. Hein. Moi je pars à Lyon, je suis pas très loin de Lyon, ça coûte 70-80 balles entre le prix de l'essence et le péage. Juste pour aller voir Marino. C'est des choses qui sortent de ma poche. Vous comprenez? Donc si je peux gagner un peu d'argent pour acheter un meilleur micro-cravate, parce que les gens se plaignent de mon micro, ce qui est vrai, qui n'est pas forcément le mieux. Un micro-cravate, acheter une autre... plein de choses, un filtre orange pour mettre sur la caméra, pour ça, peut-être un objectif, si je veux un seul jour voyager, partir voir un musée. Vous voyez tout ce que je veux dire? Tout ça c'est de l'argent que je n'ai pas forcément, je suis comme tout le monde, ça devient très cher ces temps-ci, donc ça n'a pas augmenté, et je vous propose ça à titre gratuit. La seule condition que je vous demande, pour m'aider, c'est un like, un partage, un commentaire, vous abonner. Ça, c'est des choses que vous faites gratuitement pour moi. Mais des gens veulent des choses gratuites, ils sont même pas capables de faire ça. Je le sais actuellement sur ma chaîne YouTube, si vous voulez. 68% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Mais ils me regardent quand même. Et les gars, si vous appréciez voir ma gueule, on s'entend voir ma gueule, abonnez-vous. Si la vidéo vous plaît pas, vous cliquez pas dessus, c'est pas très grave. Mais au moins, ça me soutient énormément. Ça, c'est un point que je voulais absolument préciser, parce que je voulais être blanc comme neige avec vous. Si vous avez des questions là-dessus, je répondrai avec plaisir. Je serai toujours transparent si je suis un sponsor dans la limite sponsor m'autorise à dire, bien sûr. Et je ne cacherai jamais mes investissements, que ce soit pour mes chaînes YouTube. Demain, je ne roulerai pas en Ferrari et je ne partirai pas à Bahamas avec. J'en suis loin du compte. Il faudrait taper dans les 3-4 millions. Cette chaîne YouTube aussi ne restera pas toute sa vie dans un format tutoriel. Je m'explique, je ne me vois pas faire des tutos, c'est pas sorcier toute ma vie. Déjà parce que les sujets sont vite limités, je trouve. Pour les nouveaux produits, ben, encore une fois, on y revient, j'ai pas les sous pour m'en acheter, même les marques me les prêtent. Bonjour, c'est une story, je fais entre 1000 et entre 600 vues et 2000 vues si je partage pas ma vidéo. Hein, grosso modo, c'est ce que je fais, vous me prêtez un produit à 700 balles? Oui, vous pouvez rêver, ça marche pas comme ça. Donc tout ça me demande aussi en fait, j'ai besoin de vous, tout ça, pour que je puisse évoluer. J'aimerais bien continuer à jouer des personnages, que j'adore énormément faire. Ça fait énormément rire, c'est moi qui est dans ma propre vie tous les jours, je suis comme ça, quelqu'un qui aime bien faire le con, qui aime bien faire rire les gens. Je vais m'orienter un peu là-dessus aussi, un peu de divertissement, la vidéo sur la réaction TikTok. D'ailleurs, si vous avez vos TikTok, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on ira jeter un coup d'œil dans le prochain réaction TikTok. Je ferai des réactions sur des blogs, sur les vidéos américaines, sur des bacs américains, des bacs allemands. Voilà, c'est des choses où ma chaîne YouTube va essayer de s'orienter un peu là-dessus. J'ai l'occasion de créer un nouveau bac un jour, parce que j'ai l'occasion, c'est une bonne occasion, n'importe quoi, je le ferai aussi, enfin proposer des contenus. J'aimerais bien faire un bac à Hippocampe, en Jobert, j'aimerais bien faire un bac à Pioffre, je m'enseigne dessus, enfin bref. J'ai plein d'idées, plein d'idées, mais j'ai pas les moyens. Parce que je suis comme monsieur tout le monde, et si vous pouvez pas vous acheter un bac de 2000 litres, ben moi non plus je peux pas. Parce que je me montre, que je me montre publiquement que j'ai les moyens, que cette chaîne YouTube me rapporte beaucoup d'argent. Ça je voulais clair avec vous. Et c'était important pour moi de le préciser, surtout en vue du contexte des choses ces temps-ci. Ça, on les met de côté, on en reparlera une fois par mois quand je ferai un vlog en disant combien j'ai gagné ce mois-là, si vous voulez. Si ça ne vous intéresse pas, tant mieux, de toute façon, j'ai rien à cacher. Ça, c'est un premier point. Attends, on va switcher complètement, on va repasser sur mon bac. D'ailleurs, je vous reprends tout de suite, je vais nettoyer mes carreaux, hein, c'est l'occasion, parce qu'il y en a un peu partout. Sopalin. Vinaigre blanc, on commence par faire la première couche. Ça sera en accéléré pour vous, bien sûr. Voilà, déjà, le vinaigre blanc. Propre. J'ai eu, pour parler de mon bac, une perte de fibre en adolescence où j'ai perdu un pied complet d'une dizaine de têtes. Pas de gelée brune, pas de changement de coraux, d'emplacement de coraux, ni d'éclairage, ni de brassage. Je sais pas ce qu'il y a eu. Pourtant,
Je dois avoir, j'ai trois autres pieds à côté qui ont autant de têtes qui n'ont pas bougé du tout. C'est comme ça, je sais pas, ça m'embête. Je suis pas forcément fan de faire des tests ici pas tout le temps, mes tests étaient bons. D'ailleurs, je suis très content du des pompes automatiques de Red Sea. Merci Cyril si tu passes par là. Je pense à toi. C'est le feu, mon bac se porte très bien. Je n'ai pas encore ultra de pouce parce que mon bac, je vous rappelle, a eu un déménagement, réfaction, on va dire, réfaction d'aquarium. Forcément, ça chamboule le tout. La cyanou a pu partir. D'ailleurs, merci Rudy. J'ai dû faire un traitement parce que trop de cyano, ça envahissait tous mes coraux, c'est comme ça, ils étouffaient. Je voulais pas perdre des coraux juste pour ça. Peut-être que les ophidia viennent de cette attaque de cyano, parce que je pense que c'était couvert, c'était réellement couvert. La boutique AMS, Rudy, contactez-le, franchement. Il y avait des tutoriels aussi. C'est le feu, la preuve, j'utilise que ces produits-là. Sinon, le bac se porte ultra bien. Mes poissons clowns font des pontes du turfu. Je vous explique même pas le nombre de poissons qui sont pondus là-dedans. J'attends toujours la bonne occasion pour faire un tutoriel sur l'élevage de poissons clowns dans Ficulon Cellaris. Malheureusement, mon bac se couche tard. Le matin, je me lève très tôt dans ma vie civile, qui n'est pas la publique du coup. Et je galère à me coucher à point d'heure quand le bac s'éteint. Du coup, c'est compliqué. J'espère qu'un jour, ils pondront ça s'éclora un vendredi soir ou un samedi soir, ce serait pas mal. Mais pour le moment, c'est pas dedans. Donc, le jour que ça se passera comme ça, je vous ferai une belle vidéo. Je toujours tout ce qu'il faut comme matériel. T'es déjà tout en préparation, tout est prêt. Et en attente de que ça tombe le bon jour. Voilà le bac en sa globalité pour le moment. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous faire voir. Les produits sont assez les mêmes. D'ailleurs, samedi prochain, je vous fais une visite. Samedi 18 février, je vais tourner une vidéo à Lausanne. Bon, vous verrez ça bientôt d'ailleurs. Ce serait cool. 18 février, grâce à un groupe Récifal au groupe Suisse. Festival Suisse sur Facebook, parce que moi je suis proche de la frontière côté Suisse. Écoutez, sur ce, coup de gueule passé, j'ai été clair avec vous. Mon bac, vous savez où il en est. Je vous dis ciao, c'était Rick Story. Ciao.